J'ai froid. Hein. Pendant que je prends ton essai, mets sur mon cou. J'ai trop froid, on est bien. Coucou, bonjour, connaissez-vous? Je suis dans un dur repas. Je vais manger pas tellement que ton plat. Il y a le tarot royal. Oh, ah. Il y a le fou manioc. Moi, il m'a la sauce pistache avec la viande. Donc, je vais manger devant vous parce que je ne me cache pas pour manger. Comme vous dois manger pas pour je mange où je veux. Comme c'est aussi cuisiné, moi, je me sens faire plaisir aussi à ceux qui vont. Je me fais aussi plaisir. Alors, c'est la sauce pistache que je vais manger là devant vous. Avec du piment. Vous voyez les gros morceaux de viande. Moi, chez Mich, je suis tout bien servi. C'est la maison. Hein. La cuisinière même me connaît, c'est une balatoise. Alors, je prends du fou. C'est une balatoise. Et c'est comme ça se passe. De quoi on ne voit pas ma mine avec ma pipe. Voilà, écoutez. Je vous montre encore. Il y a le tarot. Ma comment le tarot. Vous voyez le tarot. Maman. Ne te montre pas. Juste les doigts qu'on fait. Le tarot. Bonjour, tiens, tiens. Fofo manioc. Vous voyez, c'est tout. Moi, c'est une balatoise. Hein. C'est une balatoire qui travaille chez Mich, donc elle me sert toujours beaucoup. Donc je mets le piment, comme toujours, comme tout bon Camerounais. Hein? Coucou. Depuis la Guyane, bonsoir. Depuis la... Toi, un coup c'est la Martinique, un coup c'est la Guadeloupe, un coup c'est la Guyane. En tout cas, bonjour Cayenne. Molière, merci beaucoup. Moi je mange, je vous dis que moi il me fait plaisir. Pardon, le coussin est bien élastique. Hein? Il est élastique de ça. Voilà. Regardez. Regardez mon plat. Balatoire. Je suis chez Mich. Ça me fait plaisir quand je veux. C'est pas quand... Le goût de ça m'en donne j'appap, n'est-ce pas? J'ai mis le piment dessus. Voilà. On me sait toujours. Chez Mich, j'ai le privilège. Ça, c'est pour moi. Que j'ai pris un peu là et tout. Voilà le tarot royal. Maman, le goût de ça. Bon, maintenant, en mangeant. Je vais parler, partager au direct, je vais parler par rapport au problème de l'eau foja. Et si je l'échappe, parce que j'ai froid, parce qu'il fait froid. C'est ma copine, mais j'ai fait trop froid. Non, ça va arrêter là pour manger. Qui m'a mis la. La tête de moi, elle t'a cassé le cou. Tu vas venir, elle va te casser le cou là tout de suite. Tu me connais pas. Mais tiens, Ngwang, tu me connais. Tu mets la tête de moi, je te connais. On va te bloquer là tout de suite. Tu me connais même pas. Mais tiens, Ngwang, moi, je suis champion pour le casser le cou. Hein. Ouah. Donc, je vais parler donc pour l'histoire de Loulou Fondia, pour une fois qu'elle a donné ma version et ma parole. Vous savez, bonjour Vanessa et Gente, Yves Balata, merci beaucoup Vanessa. C'est bon, hein? Donc, vous savez, dans la vie, la loyauté, c'est un truc vraiment très important. Même quand on a mis une dème, même quand on n'a pas une dème, nous sommes, on doit rester loyal. Ok, que ça la mauvaise, tu arrêtes ou tu apparais. Il faut rester loyal. Et puis moi, Lady Ponce. Ma maman, Lady Ponce, tu es une grande soeur, tu peux être une maman. Moi, je suis quelqu'un qui suis humble. Non, non, on va m'entendre. Attends. Je suis humble. Donc je vais te présenter mes excuses. Mes excuses. Qui m'appelle là? Mais tu appuies au milieu maintenant sur bleu. Et je te présente mes excuses parce que moi t'ai rien fait. Et si pour une fois, je sais que tu as eu avant les directs qui étaient défendus. Tu avais l'histoire de Magouya. Parce que j'ai toujours défendu beaucoup de femmes. J'ai toujours défendu. J'ai toujours condamné les hommes qui maltraitent les femmes. Les hommes qui frappent sur les femmes en détresse, les femmes mal quoi. Et pour un homme, c'est compliqué. Partagez, c'est compliqué pour un homme de nos jours qui vient sur la caméra tout le temps pour défendre les femmes. Le Japon n'est pas trop mon truc, ça m'intéresse pas. J'aime le Japon pour le téléphone. Mais je t'ai défendu, tu n'as rien en retour à me donner. Mais je ne te demande même pas une récompense, je ne te demande même pas un héros, je ne te demande même pas de me donner de l'argent. Je l'ai fait par amour et je sais que tu étais fier de moi parce que je t'ai défendu vraiment. Je t'en supplie, l'erreur est humaine, on est tous Camerounais.
je vois comment tu es, tu n'as pas un mauvais fond. Parce que si tu avais un mauvais fond, bah on aurait su. Il y aura eu beaucoup de choses qui sont sorties. Moi, je demande pardon à la place de Lolo Fodja. Elle t'a insulté, je demande pardon, moi. Elle a parlé mal sur toi, je te demande pardon, moi. Moi qui t'a défendu, je viens te demander pardon. Je t'ai jamais rien demandé comme faveur, ni je t'ai défendu sans rien te demander. Mais pour une fois, excuse-moi, je t'ai pas pardonné, je t'ai pas défendu. Pourquoi en retour tu me donnes quelque chose? Je t'ai défendu parce que j'avais mal pour toi. Parce que j'ai dit que c'est pas normal qu'un homme apporte sa femme sur Facebook. Même s'il y a quoi. Donc je te demande pardon. Si pour une fois, tu peux juste, même si tu ne me connais pas, tu peux juste faire ça pour moi et retirer ta plainte. Elle ne le fera plus. Ça lui a servi de leçon. Vous savez, Lolo n'est pas une personne de méchante. Lolo, c'est une personne que quand elle t'aime, elle est comme ça. Quand elle t'aime, elle t'aime vraiment. Quand elle t'aime, elle t'aime. Donc, c'est que même si je prends un exemple pour moi. Hein. Lolo et moi, on avait affaire 8 mois, on ne se parlait pas. On a fait 8 mois, on ne se parlait pas. Et quand la fille est venue d'Italie, venue me faire tous les classes que j'ai eu gratuitement, bah, je ne méritais pas ça. C'est Lolo la première qui s'est levée, m'a défendu. On appelle ça la loyauté. Toi, mais je pense que toi, tu as chanté sur ton « Je t'aime, oh, Madine Wabi, je t'aime vraiment beaucoup. » Loyauté, c'est un très beau titre et j'adore cette chanson, surtout quand j'ai mes alcools à la maison. Donc, t'en supplie, pardon, ne venez pas essayer. Je t'en supplie, il faut laisser tomber. Ça fait mal, c'est vrai. Il n'y a personne qui aime quand le linge, c'est vrai. Coucou, Laetitia Djani. Il n'y a personne qui aime quand le linge. Et je suis la seule personne que je n'ai jamais cherché. On n'est jamais jubilé. L'arrestation de qui que ce soit. Et c'est pour ça que vous me voyez, je parle avec tous les stars. La plupart n'est pas tous. Et ceux que moi je connais, Wario, Lolo, Compressor, parce que nous on ne se connaît pas les Facebook. Toi, Lou et Maya, tu veux me casser mon dieu, tu es malade. Un imbécile. Et si il y a combien d'un bon plan, ça, Laetitia Djani? Vous savez, l'erreur, vous avez l'erreur, hein. Comment dire, les dégâts sont collectifs, mais la sentence est individuelle, non? On dit comme ça. Je demande pardon pour elle parce que je sais qu'à travers mon direct, tu vas comprendre ce que je te demande. Je demande pardon juste par rapport à moi. Papa, tout le respect que j'ai pour toi, c'est une Camerounaise. Si nous, même quand on est au Cameroun, les gens parlent au Cameroun, les gens s'insultent au débit, langue passée. Il y a toujours la. On diffame les gens partout en Afrique, dans les maisons, où il y a les problèmes dans les quartiers, même les gens se baguent, se déshabillent. Mais aller jusqu'à là, quand même, surtout pour ton statut, ça n'honore pas les gens. Josiane Queen, merci. Bonsoir, Patricia Dior. Pardon. Pardon. Je te demande pardon. Il faut laisser tomber. Le pardon est divin. L'image est passée propre. Attendez, je vais nettoyer. Ah bon, hein. Ah, même si c'est pas grâce à ma voix que vous écoutez, c'est moi. Ah oui, c'est bon. J'ai fait ça. Merci de m'avoir dit. Le pardon est divin. Ça, c'est la Bible qui nous enseigne. Ça, c'est pas moi-même. Là. Tout ce qui m'arrive, moi, il pardonne toujours. Il a fait comment? Marchand a comment fait ça? Quoi? Mon Dieu. Le tien, hein? Pour mettre sur Facebook. Mais va sur ton mur. Va sur ton. Tape ton nom. Manuel, là. Manu, Noël, Océane, Janet. Oh, d'accord. Le pardon est divin. C'est pas moi qui l'a dit, c'est bibliquement écrit. Hein. C'est divin. Je te demande pardon. Tu sais, même si tu vas pas faire qu'une compatriote va aller en prison. Va en prison parce que t'as insulté. Nous, on est même où on nous a insulté, même si on nous a insulté au Cameroun, mal mauvais que le goût des insultes, même qu'il faut qu'on devait se mordre de rire. Les voisins se bagarrent, ils s'insultent. Ils s'insultent, ils disent, et puis lance ceci, oh tu as tué tel, oh tu as fait ceci. Personne ne va jusqu'à aller en prison. Ma soeur, on est né dans ça. Et c'est que tu as besoin de brancher une image.
Mais bon, l'image là même, ici on dit même de ça, même, on va même faire des dégâts. Regardez comment moi je suis samedi. Moi, il faut quoi l'image. Moi, mon image, c'est que mon foufou manioc. Je demande pardon. Même quand on posait les problèmes, je n'étais pas content. Même quand on a été fleur de lys, on n'est pas été content parce qu'on ne souhaite pas la poser à quelqu'un. On ne souhaite pas la poser à quelqu'un, on ne souhaite pas la maladie à quelqu'un, on ne souhaite même pas la mort à quelqu'un. Moi, c'est les trois choses, mais c'est pas parce qu'on c'est les trois choses que. Faut bien écouter, moi. Faut bien écouter. C'est les trois choses que je ne peux pas souhaiter à quelqu'un. Et demande pardon. Pardonne-la. Fais ça pour moi. Même si tu ne me connais pas, fais ça pour moi. Moi qui ai tout le temps défendu, qui a tout mis la caméra. Même si tu étais en colère, pense à moi-même. Je dis que Elo Waris ne me connaît pas. Il m'a défendu ici. Coucou Valonga. Il m'a défendu ici. Terre, pied, sol. Balata. J'étais là pour te défendre. C'est la seule chose que je demande. Laisse tomber. Maman, bonne nous tiens mon image. Voilà. Image de quoi? Vie des gens, maman. Tu m'as tué pas, tu m'as retrouvé où? Manuel, Manu Noël. Tu m'as pas retrouvé. Donc je m'en pardon. Et il va aussi dire à Chantal ici que je vais retirer mon poste que j'ai mis parce que bon, quelque part j'ai eu. Vous savez, le lot aussi n'est pas ensemble pour rien. Je sais de quoi il passe une parenthèse. J'étais très remonté parce qu'aujourd'hui, elle est toute seule à payer les pots. Ça s'améliore, Dieu merci. Mais les qui étaient toi en derrière? Moi, je connais qui est le lot. Moi, je suis comme ça. Des fois, on nous envoie même. Même moi, des fois, je me dis que pas clasher. Moi, je dis que non, on ne clash pas. Parce que j'espère que quand je vais venir clasher, bonjour, Prudence Pénède Bella. Je vais venir clasher, ça peut venir caresser ma tête. Toutes mes vidéos que j'ai clashées, que j'ai insultées, c'est parce qu'on m'a expliqué soit mon agent ou ma copine qui vient me fumer chez moi. Je me suis défendu moi. Bonjour, Anne Queen. Je me suis tout défendu moi. Machin, je vais te dire quelque chose. J'ai mis un statut, mais je n'ai pas fait ton direct. Où tu as interpellé Nyangono. Tu n'as pas tort, tu n'as pas faux. Tu n'as pas tort, tu n'as pas faux. Et je vais dire à Irène Nyangono que moi, t'es moi au défi. Parce que vous parlez dans les écrans derrière, vous gesticulez. Moi, j'ai défendu Lady Ponce ici. Elle m'a jamais rien donné. Moi, je suis au courant que tu dois chez elle. Moi, elle ne doit pas chez Lady Ponce. Je n'ai jamais rien demandé à Lady Ponce. Et je sais qu'elle va écouter mon direct. Elle va pardonner. Envoyez la vidéo là à Lady Ponce, s'il vous plaît. Envoyez-le lui. Elle va pardonner parce que moi, j'ai défendu Lady Ponce corps et âme. Elle m'a jamais vu. J'étais contre son ex-mari qui a publié, qui a fait ceci, venu sortir que c'est un matelas public. Je ne peux pas accepter ça. Et j'ai combattu et j'ai gagné le truc parce que je l'ai refait sa vie. J'en suis fier. Vous savez, moi j'écoutais jouer des matchs parce que moi j'étais très remonté, mais je disais que bon, vous savez, la colère des fois, tu vois, on dit que prends soin de la peine, soin de réfléchir avant de faire de sortir certaines choses. Moi j'ai réfléchi. Bon ça. Oh, j'ai pris la peine de réfléchir parce que si on se levait tous pour l'instant pour rien, on se trouverait trop dans beaucoup de problèmes. Hein. Moi, je vais me trouver dans quel problème avec quelqu'un. Si tu me convaincs, tu dis que bon, il s'est passé quoi? Assions-nous. Quand tu as voyé mon âme de ton, tu n'en es pas tous à la diaspora. Mais tu fais confiance, non? Oui. Quand tu m'as fumé chez moi, là, c'était ta maison. C'est moi qui t'a contacté. Vous savez, il y avait déjà beaucoup de Camerounais qui sont un peu illettrés et bêtes. C'est pas parce qu'on te convoque dans un commissariat que tu vas aller en prison. On écoute. Appelé à confrontation. Vous savez, moi, beaucoup m'ont demandé souvent, souvent parce que derrière, ils me voient, oui, Waris, mon petit, oh, aide-moi, j'ai des problèmes. Je n'ai jamais fait les lives pour eux. Parce que devant les plaignants, même là, ce sont les menteurs. Et donc, eux, les coupables. Quand vous avez commencé votre amitié, moi j'étais pas là.
quand ça cuit, je ne sais pas là. Moi, je n'ai pas faim pour qu'on va venir payer pour ta chef cache quoi. Je vais dire ma chance que je vais retirer mon poste parce que c'était remonté. Mais j'ai vu ton, j'ai écouté ton direct, c'était ce matin, hein, vers 6h. Tu ne comptes pas m'envoyer parce que papa mon poste. Je m'excuse parce que vous voyez, moi je m'en pardonne parce que s'excuser, c'est pas un signe de faiblesse. Quand tu es quelqu'un d'intègre, tu es quelqu'un de réfléchi, tu es quelqu'un de. Que tu sois là à l'école au minimum, il y a juste que tu te dis bon, ça, c'est, la vie c'est comme ça. On se rabaisse souvent. Lolo va te présenter des excuses. Moi j'ai commencé à demander pardon pour Lolo. Elle t'a insulté, ce n'est pas bon. Est-ce que vous savez que devant Lolo fait ses directs, moi je ne suis jamais là-bas. Quand il va à quelqu'un à vouloir insister ou ça me fâchait, moi je ne me voyais jamais là-bas. Mais je suis loyal en amitié. C'est mon ami. Les gens me disent, oh, quand c'était les autres, bouf, est-ce que je suis dans une team? Je suis ami avec Compressor, je suis ami avec Lolo. Mais ma quota dedans même, c'est Lolo. Vous voulez que. Mais vous n'avez pas les gens que vous aimez bien. Quand vous parlez même des tribalistes, on a parlé de Mbamleke qui est ma personne qui vient défendre. Non, c'est pas moi, c'est pas petit. C'est pas une Camerounaise. Donc je demande pardon à. Je dis pense. Je continuerai toi dans toutes tes chansons. Là, tu chantes bien. Je te demande pardon au nom de Lolo. Je demande pardon au nom de Lolo parce que ça sert à rien. Vous savez, on parle de toi, pas être une star. Une star, là, on peut toujours l'aimer. On peut même un être humain, même, on peut toujours l'aimer. Les mange encore le couscous parce que c'est bon à moi jusqu'à le goût de ça. Soit on t'aime, soit on t'aime pas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne gères pas les détails. Ceux qui t'aiment sont pleins. Ceux qui t'aiment pas sont peu. Toi-même, les dépenses de nous deux là, toi, tu sais bien que. Est-ce que tout la stamada que tu as joué là, tout l'argent que tu as gagné là, si tu écoutais les gars, on a dit là, tu sais où aujourd'hui. Mais c'est quand même fou, hein. On t'a accusé comme que tu fais les travaux des ossements à l'époque. Tu as géré ça. C'est une société qui dit que les gens pensent quoi. Et puis c'est quoi? C'est pas toi qui chante, j'ai tes mots. Moi, on a accusé tout le monde. Mais ça nous fait quoi? Un grand pardon pour Lolo. Où Lolo est là, elle a compris et elle n'est pas forme. Je vous demande de pardonner Lolo parce que c'est que le retour de Lolo va être très dévastateur. Je vous dis qu'on y a une religion dévastatrice. Je sais de quoi elle parle. Vous savez, vous êtes caché soin derrière. Et vous savez que Lolo, vous vous dites loin, Lolo crie. Un baba de. C'est moi qui la connais toute là. Même Gossan n'est même pas mauvaise, même. C'est juste qu'elles ont souvent les pommes de la toile, mais. Elles sont méchantes. Vous comprenez? Lolo est une personne que, quand elle l'aime, elle te suit. Elle avait toi balata. Vous avez vu mon problème? Lolo est la seule sur la toile que la fille est venue me fumer. Elle a diffamé mon nom partout. Qui n'a pas vu mon histoire avec les audios, les voices au Cameroun? Si je voulais dire, prends mon exemple. Si la honte pouvait tuer quelqu'un, je crois que je faisais partie des gens qui devaient mourir de honte. Honte de sidéens, honte de pauvres, honte de ceci. On invente des choses sur toi, comment tu as couché les maris de tes soeurs ou de ta mère ou de ces choses que tu sais pas. Et c'est sur mon vision. Et en avance, même mes amis partout. Père pour dire, ouais, c'est la fille là qui m'a publié parce que publier n'est pas seulement sur Facebook. Quand tu envoies à mon nom, prénom, à des amis qui ne me connaissent pas, tu m'as publié. Donc voilà. C'est une parenthèse. C'est pour te dire que les dépenses, regarde moi-même là. Je pouvais mourir. Qui n'a pas vu mon histoire? Je ne dormais pas pendant 2 semaines. J'avais mal. Je n'ai jamais vu la qualité d'histoire qui m'arrivait. Mais bon, c'est pas moi qui mange encore mon truc devant vous. La vie continue. Les jaloux là, si tu écoutes les jaloux là, si on les écoute là, la vie là ne servira plus à rien. Nous tous là, on a les ennemis qu'on ne connaît même pas. Nous tous devant nous insistons pour rien. Nous tous là, on ne nous défend pas. Tout même au Cameroun, même les devant les accusés qu'ils ont tués. Les gens, même au Cameroun, même quand tu es grossi un peu, même que ton petit commerce te donne déjà tes petits 20 000 par jour, on dirait que tu es parti, mais les bains, tu tues les gens de la famille. C'est comme ça. Donc, ma mère, ma grande soeur, les dépenses, c'est après que tu as 36 ans, John, tu es ma grande soeur. Je demande pardon. Pour Lolo.
Maintenant, Raymond Tchenga. Je sais les deux noms que moi je connais. L'an 2000. Himalaya. On ne peut pas dire, tu avais oublié. Non, c'est pas ça. Dieu. Dialo. Oui, Dieu. Regarde un peu. L'eau. Hein? Comme tu as plus ça, il fait tourner. Et puis il fait taper la fourchette. Raymond Tchenga. Coucou. Ma chérie Fatih Frézo. Je mange, regardez, est-ce que j'ai besoin que les dispo me donne à manger? Moi je viens pas. Est-ce qu'elle me bat? Regardez. Je mange la sauce pistache avec fou de manioc et ma copine m'a le tarot royal. Oura. Anna, je suis en direct, à tout à l'heure. Je suis en direct, à tout. À tout à l'heure. Je suis en direct, va te garer à tout. Maintenant en direct. Donc. Il est devant la Roman Tchenga. Pardon. Faut laisser. On t'a dit insulté même sur ta faute. Tu vois, il n'a pas dit bon. Il n'aime pas bon. Il mange. C'est trop bon. Moi, il ne mange pas beaucoup. Il va te mettre pardon. Mon père, Tom, tu as gagné les millions ici. On a vu. Tu donnes les 500 euros aux gens. On est au courant. Paris, il va le même Paris que nous tous on connaît. On t'appelait l'an 2000. Avec tous les insultes que tu as eues, c'était testé. Avec tout le. Sabotage, qu'on a même saboté ton nom, t'a insulté. Non, il n'y a pas de salade, pardon. Hey, moi, il m'a dit, hey, pardon. Hmm? Il faut pardonner. Il faut laisser. Pas même l'envoyer en prison, là. Déjà, il va pas aller en prison pour insulte. On va peut-être payer la mande. Mais bon, même la mande, vous n'avez même pas quoi. Pour faire quoi ça? Les gens connus comme vous. Moi, je crois que tout était fair play. Une gringo, comme les dit, pense qu'on a accusé, fatigué, mais elle est toujours là, chanteuse. Et ses musiques marchent. L'an 2000, on l'a caricaturé comment, oh, il est toujours là. Il fait les œuvres. J'ai même vu le mariage de ta fille, bravo. C'est un grand mariage. Donc, les insultes, même le lolo, même, vous enlevez quoi même? Vous avez montré à Lolo que, écoute, on est Camerounais, mais tu ne feras plus jamais ça. L'an 2000, tu lui as montré que tu es son grand frère. Là, il doit montrer que. Ou la petite ou la grande, je sais pas qui est né, mais en tout cas, elle pense qu'elle a 36 ans. Moi, c'est comme un retien. Bonjour, Marie. Il faut laisser tomber. Je suis en direct, pardon. Bonsoir, Khalil. On dit quoi? Je suis à Paris chez moi, je mange. Oh, mangement de ça. Il faut laisser tomber. Ma chance, je suis très fier de ton. Ma chance. Tu veux en direct. Attends, je dis bonjour. Je dis bonjour. Mon ami vient de garer la voiture là-bas. Allez bien. Ma chance. J'ai les yeux rouges, je suis fatigué. Ma chance. Hyper cuto. Ma chance. Ma chance. Hyper cuto. Ma chance. Ok. C'était tout pour le moment, c'était pour rigoler. Pause. Bonjour. J'ai les yeux rouges, tout rouges, je suis bourré. Tu es bourré, tu as vu quoi? Tu as vu hier. On t'a mis l'anti. Non, wesh, c'est le latif, j'ai vu. Je vends les sacs. Il y a un sac Dior, si vous voulez. Ouais. Non, je sais de même, pardon pour ma copine, pardon. Laisse-moi. Hyper cuto. Macha, hyper cuto. Macha, hyper cuto. Macha. Eh bah, macha. Mais mange. Ah, maman, bon appétit. Tu vas venir à Bobo. Donc, eh ben pardon. Ah non, mais pas sûr alors. Tu es t'assois là où là? Je m'assois là-bas, mousse. Viens, t'as pas ça là. Machin. Bonjour, machin. Machin est là-haut. Donc. Agna. Non, demande pardon pour ma copine. Attends, je finis avec ça. Après, tu vas parler. Qui a pardon à qui? Ma copine. C'est moi qui fais le direct. Non. Après, non. C'est important. Il y a les affaires des prisons et des trucs. Laisse-moi. Non, on ne gâte pas mon direct. Si on veut courir, il va parler là-bas au fond. C'est quoi? Bonjour, bienvenue. Comment tu vas? Donc, Chibani à Bomo. Donc, je demande pardon. Elle est où? Je sais pas comment tu peux manger. Tu veux manger? Non, oui. Je demande pardon. Prends tes bouillons de sauce là. Je mange. J'ai un pistache, c'est vrai. Non, tu veux me distraire. Bon, laisse-moi finir. Chibani à Bomo. Donc, il demande à. Macha. Macha. Moi, vous savez, une formule. Hypercute. Je vais y avoir vos 20 points. Hypercute, j'ai vu son direct hier. Donc,
Je suis content, moi, quand, quand Tito, elle est venue, moi. Ah, non, je suis en direct, c'est important. Je suis le nom des gens, là, tu es les. C'est mais ici que tu fais des non, je fais, tu es venu me trouver mon direct, c'est mon direct. Tu es arrivé, je suis là pour faire des choses. Et donc, mais repars dans ta voiture, je repars. Hé, arrête-moi les directs, là. Mais écoute, non, pas toi, tu m'énerves, ça m'énerve. Tu es mon direct, laisse-moi finir mon direct et que je parle des trucs importants. Toi, tu viens gâter mon direct, comment? Important. Non, c'est vrai. Prime, Mario, prime. Non, moi, je vais te faire le Congo. Ça, tu n'es pas au Congo. Non, c'est pas. Laisse finir, tu fais le truc. C'est comment? Non, je vais te regarder, fais tes directs ici. Eh, pardon, il m'en va chez moi. Va chez toi, ouais. Combien? 10 euros, non? Coucou. Sandrine Bossini, coucou. Bête des choses que les directs là. M'a chanté de toi. Eh, m'a chanté, tranquille. Donc. Super tuto, machin. Attendez, je vais finir mon direct parce que là, il y a trop de bruit. J'arrive. Donc, je demande encore et je redis encore. Je demande pardon. J'arrive, Agnon. Je demande pardon à. Je demande pardon. Vous savez, il y avait trop de cris, donc je peux me déplacer. Donc, je demande pardon à Lady Ponce, à Raymond Tsenga. La vie, c'est comme ça. Nous tous, là, on nous insulte partout. Ok, Raymond Tsenga, là, en 2000, avec tout l'argent que tu as eu ici dehors. L'argent que tu as eu ici dehors. Bonsoir Florence Zoumo. Je mange chez Mich. Comme il y avait tous les bruits là, mon ami. Et puis, vous savez, quand il y a un truc important, même quand ça regarde mon direct. Lady Ponce, on t'a traité des ossements, des humains, des ceci, tu as tout percé. Merci beaucoup, Sandrine Bozini. Il faut pardonner, vous savez, la vie, si c'est rien. La vie, c'est rien. Parce que même si, moi, vous savez, pour vous dire vrai, je n'ai jamais souhaité la prison à quelqu'un, la maladie à quelqu'un. Même celle qui est venue chez moi, même la même filmée chez moi, là, je ne peux pas la souhaiter la mort. Parce que, je vais souhaiter la mort à une personne qui est humaine comme moi. Est-ce qu'elle veut vivre encore? Logique, elle veut vivre même. Je disais, elle veut mourir un jour. Et si on meurt là, aka, c'est bon, non? Donc, je m'en pardon pour Lolo. Et je sais que Lady Ponce va voir mon direct. L'an 2000, vous allez voir mon direct. Les retirer, laisser tomber. Blâmer là comme vous pouvez la blâmer. Oui, fâchez-vous. Oui, dites-lui que vous avez fait, ok, d'accord, mais vous laissez tomber. Ça sert à rien. En même temps, on est au Cameroun, les gens bagarrent, les voisins bagarrent au Cameroun. Hein? Les gens bagarrent au Cameroun, les gens s'insultent, les bilans passés, les gens mettent les bagarres à domicile, les bagarres à domicile. On ne finit pas en allant au commissariat, on est Camerounais. Moi, je crois que vous, comme vous êtes des fous, moi, je crois que vous êtes fair play. Vous croyez que je vais aller traîner une personne en justice au Cameroun parce que la personne m'a insulté? Non, je n'ai pas le temps pour les conneries comme ça. Père me dit, bon, tu m'as insulté, bon, ça va t'amener où? Nulle part. Le pardon est divin. Dieu nous a donné, enfin, c'est ce que la Bible nous a enseigné, que le pardon est divin. Et je n'avais cette notion dans ma tête. Je pardonne toujours, c'est pas quand on dit que je suis souvent quelqu'un de naïf et bête. Vaut mieux être bête, mais pardonner là ouvre les portes. Ça ouvre les portes. Donc, honnêtement, je demande pardon. Ça vous a fait mal? Vous avez à corriger le lot comme il faut, vous l'avez à montrer, ça ne va pas. Maintenant, allez vous arranger avec elle, laissez tomber. Blâmez-la. Oui. Si vous voulez même, giflez-la même. Que plus jamais. On est tes aînés, on est tes soeurs. Elle va comprendre. C'est le Cameroun qui gagne. Il n'y a pas de tribalisme dedans. Je suis petit, moi je suis à te défendre. Et vous savez aussi que vous le voulez ou pas, la loyauté est importante. Il y a les gens que sur terre on aime. Comme vous aussi, vous aimez vos teams là, et par-ci par-là, il y a des gens qu'on aime. Même dans nos familles, il y a des gens qu'on a plus d'affinité et d'autres qu'on en a moins. C'est comme ça. Donc, il faut aussi vous dire aussi que. Ça même fait quoi là? Je veux aussi dire à beaucoup de blogueurs, par exemple, ça a coupé. Mon téléphone, c'est. Arrêtez d'aller prendre les chantiers des gens, revenir et. Pardon, mais quand tu as mis les cœurs parce que. Je ne sais même pas qui signale le direct. Comme les gens aiment la haine, là, vous signalez même quoi même. Quand vous signalez ou pas, ça va m'empêcher de manger mon coussou, ça va être mon pistache. Donc, je disais qu'il veut dire au blogueur qu'arrêtez d'aller mettre vos bouches dans les affaires des chantiers des gens. Défendez-vous quand on vous attaque. Oui, c'est normal. Défendez-vous quand on vous attaque. Moi, je me défends. Si vous connaissez les chantiers qu'on m'a déjà donné, devenez insulter les gens. Quand les gens faisaient leur fête là, leur amitié, je n'étais pas là. Je suis jamais venu mettre sur la toile. Je me suis toujours défendu moi. Je continue à faire mes cuisines. D'ailleurs, je vous invite au Fouquet. Le 14, là, donc le 15, là, je vais faire le ndolé. Je vais faire le poisson braisé et je vais faire aussi le poulet DG.
Parce que le 15, je vais faire pour le 15 août. Je vais inviter mes amis de partout, de Paris, de Rouen, vont venir manger. Donc, c'est une parenthèse. Ne prenez plus les affaires des vies des gens pour les exposer parce que ça va vous causer préjudice. Vous êtes tombé sur une personne qui va pas vouloir laisser tomber, ça va aller loin. D'autres même vont même finir, même peut-être même paper les gens qu'on vous tue, ou bien qu'on vous assassine, ou bien que les prisons passent, ou bien les règlements de compte bizarres, les empoisonnements. Évitons les problèmes au maximum. Quand les gens faisaient leur fête là, quand les gens marchaient ensemble, nous on n'était pas des gens, hein? Donc, vous voyez donc pourquoi moi, devant les gens viennent chez moi, quand les gens ont trop tué chez moi, ils sont 200. Ils sont 150, des fois même 60. 50, 30, 20, moi, ils m'en fous. Je ne compte pas. Je ne compte pas, moi, je mange ma nourriture quand vous me voyez manger là. J'ai le temps. Parce qu'il y a les chantiers que si même je m'occupais, j'ai mis un poste de toujours pour dire que, mais j'étais en colère. Mais je vous assure qu'il y a des choses, qu'il y a des secs. Il le pari que vous voyez ici là, que vous me voyez là. Tous les restaurants, tous les endroits me connaissent. J'ai grandi ici à Paris. Il y a les secrets que les gens ne disent pas. Mais je ne dirai pas. Je laisse tomber. Parce que c'est que ma soif, vous dites que toi. Mais on ne va même pas y arriver. Il y a juste que les gens cachent. Mais je ne vais pas parler de ça, ça ne me regrette pas. Et si je dis toujours que si je vais faire un truc, je vais saquer un Camerounais. Pas saquer. Que je vais sortir les détails d'un Camerounais, mais je ne suis pas au Cameroun. Je me mets à Canal 2 dans toutes les chaînes TV, je raconte qui tu es. Dis ce que je suis, j'assume Balata. Maintenant, tu viens, on va régler ça là. Tu vas me dire si je mens. C'est tout. C'était une parenthèse. Mais il y a des choses que je ne prends pas. C'est pour vous dire que même quand vous avez la visibilité, faites la part des choses. N'allez pas diffamer les noms des gens pour rien. N'allez pas. Même si vous connaissez, regardez-moi, il y a plein de secrets. Voilà, il y a plein de secrets ici que je connais dans Paris que vous voyez ici. 18e, 17e. Je vous dis qu'il y a les gens qui ont les dossiers salauds. Il y a les gens qui ont les sales cadavres au placard. Hein. Mais ça ne me regarde pas. Vu que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas non plus le juge. Je ne suis pas Dieu. Je ne me vois pas aller commencer à m'asseoir. Je vais peut-être parler de Lady Ponce alors qu'elle ne m'a rien fait. Je vais aller parler de Romain Tchenga. Elle ne m'a rien fait. Et puis aller parler de tel, il m'a rien fait. Donc, je ne veux pas me retrouver à salir les gens inutilement. Étant donné que je ne suis pas Dieu et chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Tant que ça ne va pas me nuire, ça ne me touche pas, je ne suis pas dedans. Je demande encore pardon à Lady Ponce et à Romain Tchengang. Même si elle vous offense, et ce qu'elle a offensé, je vous demande pardon. Je suis un enfant humble. Excusez-moi, je l'échappe. Il fait foi. Il fait foi, pardon. Excusez-moi, même, il m'en fout, c'est pour ma copine. Donc, je demande pardon. Je demande pardon. Demande pardon, pas dire que Lolo m'a envoyé, m'a jamais envoyé. Elle n'est même pas au courant. J'ai improvisé au direct ici. Je demande pardon. Il faut laisser tomber. C'est pas grave. On est Camerounais, on nous a tous insultés. Si vous connaissez tous les injures que nous, on a, même moi, même si j'ai reçu, venant de ma famille, venant des amis, venant de Facebook, je vais faire quoi? Et puis quoi? On insulte les gens qui sont importants. Moi, quand tu es pas important, tu ne te calcules pas. Ou bien si tu es jaloux. Si tu es jaloux, là, tu es. Il n'y a que les jaloux, les aigus qui sont les autres. Moi, je ne m'en sors pour t'insulter quoi, pas quoi. Moi, même pas mon enfant, mon truc, je mange à quoi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Pardonnons-nous, on va faire comment? Parce que vous savez, insulter, oui, c'est pas gentil. Si Dieu nous pardonne, pardonnons aussi d'autres. On dit bien que si tu pardonnes, Dieu te pardonnera. Vous savez, Lady Pontom, tu as tellement une carrière qui est avancée, qui est développée. Malgré tous les trucs que tu as eu au Cameroun, qu'on a dit que tu étais la femme de Mongo Fayo, que tu as eu les ossements humains, tu as eu toujours le tas qu'on a insulté là-bas. Mais aujourd'hui, là, est-ce que tu n'as pas évolué? C'est pas toi qui reçois, je vais venir manger chez toi. Tu fais le cabaret, à Ponce, attitude, ton truc que tu as bas à Yaoundé là. Je suis venu là-bas aussi danser. C'est de ça qu'il s'agit. Laissons tomber, ça ne sert à rien. Et je suis là parce que je suis Lolo, même si elle est comme elle est, elle a ses défauts, elle aime crier, moi aussi j'en sens chaud, mais c'est ma personne quand même. Alors j'ai le droit de venir mettre ma caméra et donner pardon à mes
papa, mes tata. J'ai le droit de le faire. Je n'attends pas faire ça après pour dire que oui, quand c'est à qui ça va s'arranger, oui, venez. C'est moi qui demande pardon aussi pour Loulou. C'est moi qui demande pardon. Et mon pardon va partir loin. Ils vont voir mes vidéos. Moi, je ne mange pas. Je mange tout et danse. Moi, on est seul au Cameroun. C'est que la fille m'a fait. Je demande pardon. C'est tout ce que je te donne, je suis pardon. Il faut laisser. Elle vous a insulté, elle n'a rien enlevé sur votre peau. Elle vous a insulté, ça ne vous a même pas tué. Ça ne vous a pas tué. Au contraire, ce qui ne tue pas renfort. C'est ça, non? Ce qui ne tue pas renfort. Je vous demande pardon. Je ne vais pas rester longtemps. Et Lolo ne va plus refaire ça. Et même pas que Lolo. Que les autres blogueurs aussi ne continuent pas toujours à diffamer les noms des autres. Non. Mais les pères m'allaient manger. Il ne faut pas diffamer les noms des gens comme ça pour rien aussi. Parce que chaque fois que vous voyez, vous, même être française ou être belge ou être américaine ou être chinoise ou être camerounaise, quand il y a un délit, il y a un délit. Quand il y a une plainte, il y a plainte. Donc je vous demande vraiment pardon pour tout ça. Et vous, moi, je ne vous comprends pas. Même quand les gens vous envoient les vidéos pour dire que oui, tel est arrêté, tel est... Vous voyez que quoi? Vous ne pouvez pas dire que l'étude du Congo, ça pourquoi? Oui, moi, je vais me casser. Je vais me foutre pas avec les lunettes du chapeau. Oui. C'est quoi? Tu me commandes que c'est quoi? Il y a... Là, c'est mon bois. Donc, voilà. Sur ce, les quotas. Sur ce, les... Non. Sur ce, les quotas. Bisous, bisous. Moi, je mange mon truc. Je suis bisous, bisous. Je envoie ça à Raymond Tienga et à tous ceux et à tout le monde. Bisous. Bisous, bisous.